Situation a compliqué chaque jour qui passait en dedans pays hein, et surtout avec question conseil présidentiel transition. Gap l'acteur te dit qui te dit déjà que conseil présidentiel transition ça, c'est un conseil qui déjà a crasé depuis le commencement. Et ben moi te dit et c'est un ensemble de acteurs qui ont intéressé voir ici hein, ou dis-moi ce qui parle dans divers médias traditionnels et médias en ligne qui te déjà ouais que conseil ça pas sorti là pour arriver là. Effectivement que mon cap dit après 5 jours d'installation et prestation serment conseil, on a parlé de 25 avril, que le conseil a été prêté serment et été installé. Eh bien, dans la date qui t'a parlé du 30 avril, là, côté que, en plus, on t'a attendu que respect à quoi politique et 3 avril, là, que qui t'a dit entre ensemble de conseillers, ils ont organisé l'élection et permettre que, on est élu dans tête conseil, là. Malheureusement, alors, je dis malheureusement, à grande surprise, en plus, on voit que c'est exactement une désiration qui fait. Et désiration, ça permet que c'est Edgar Leblanc fils qui vient comme président, mais comme coordonnateur, et Fritz Belizier comme premier ministre. Mais après ça, il y a pile par l'empile et il y a pile pied captivé. La valance qualifiée et mascarade. À quoi Montana qualifié et coûte mal taillé. Ça veut dire réaction en pile. Décivez-les comme on est gay parce qu'on va parler avec Bato Junior. La situation dans nos belles et bien formes. Moi, quand tu as besoin dans le cadre d'émission Calme sous vérité, parce que dans le cadre de foi de Bouchita là, toute vérité obligée de parler pour permettre que les peuples haïtiens comprennent ce qui a passé sur scène politique pays d'Haïti en belle situation. Louis Gérald Gilles, qui fait partie alliance avec Petite Dessaline, aidé Red Compromis historique à accord 30 janvier pour être choisi Edgar Leblanc-Fils comme coordonnateur ou président conseil présidentiel là. Yo félicité désignation qui permet à que Edgar Leblanc-Fils rive coordonnateur conseil présidentiel là. Mais cependant, yo prend distance avec disposition qui prend pour au moins désigner premier ministre qui c'est Fritz Belizer qui permet un pile marcheur gonflé dans le conseil présidentiel c'est là pour un pile monde c'est à doué premier transpondon division dans le conseil qui capable permettre que Bagalal tout était là tant que j'en sois dit bien personne yo conseil présidentiel qui synonyme à mordre. Cette situation qui est là en dedans conseil là soit Fritz Alphonse Jean cap prend des positions à travers accord Montana qui dit non non façon que monsieur fait bagaille là c'est un coup dans le dos au Bali. Est-ce que ça va permettre que pays d'Haïti qu'on ait une situation qui plus difficile les dans conseil présidentiel là qui t'est monté sur un accord politique sur une base entente et consensus de la situation tant que j'ai entendu aujourd'hui hein ouais il y a une question majorité qui dégageait en dedans conseil là côté il y a pas franchi voir côté tu dis c'était élection que tu as fait. C'est dans la dernière minute que vous entendez, vous avez monté un groupe majoritaire. Dans le même conseil ici, c'est vrai, parce que un groupe majoritaire qui permet au monde de vivre peut-être conseil en blesse personne, mais ce n'est pas comme ça. En plus, le monde pense que ça t'a fait. Tant que j'en dis là, avec invité, qui nous bras le garder. Ensemble, Angers qui vient sous pays, avec majorité ça, qui décrété en dedans conseil, et à conseil présidentiel là, en général, sous ça qui a. Que pays a connu jeudi, je dis, en plus, le monde, ouais, que le conseil n'a pas apporté solution à qui, parce que c'est 9 sites, 9 partis politiques, y'a chaque gain, y'a une philosophie différente, et ouais, que j'ai commencé à faire, depuis dans désigné coordonnateur, ouais, y'a des partis qui campent à Apache, qui choisit premier ministre, et puis Pita, Pralpitris, Blaise Fiterson, si pas gagné, qui veut dire, si ensemble, acteur, protagoniste, militaire, on va prendre disposition, Blaise Fiterson. Bato Junior, comment on est gay? Blaise Fiterson, bonsoir. Et moi, en forme, grâce à Dieu, même si nous condamnons en Haïti, pareil, c'est vraiment difficile, mais moral là, au beau fixe, nous continuons à boumer, nous saluer Désiré Nesca, qui est co-animateur de l'émission, à tout un auditeur, auditrice, qui attendait dans le moment ça, profiter de saluer le coordonnateur FND, camarade Saint-Jean-Louis, à tout l'autre camarade qui a boumé dans le pays d'Haïti, qui croit un changement, et les membres du Congrès national Wanamet, qui ont même été arrivés, mettez campé une résolution Congrès qui te permet que nous te croyons pour nous résoudre ça, c'est dans le coup de cassation pour nous aller choisir un président. Parce que le problème que Haïti a confronté, je ne veux dire là, c'est prévisible. Et surtout, avec l'installation du conseil présidentiel de 9 membres, 7 qui ont droit de vote et 2 observateurs,
nous dit problème que qui constaté depuis dans vote choix président, c'est un bagage qui est prévisible parce que nous t'ai déjà dit pas gain aucun moyen pour un monde t'a dit me comme ça que pour que la baigne dans de l'eau pour que li dit me comme ça que peut-être pas mouillé ou bien pour col pas mouillé et pour dans de l'eau quoi mouillé quand même c'est normal au niveau de ce conseil présidentiel était prévisible pour que conseil là arrive fonctionner tu as toujours des compromissions entre différents groupes qui pour permettre de dégager ça que les majorité au détriment de la minorité et souvent genre de compromis sont ça en fait sous base des intérêts mafieux des intérêts on capable dire de groupes contre intérêt peuple haïtien. Ça veut dire que nous même t'as les bateaux. Ça veut dire pour même bateau, il y a pas problème pour dégager ça n'est un compromis, bien une compromission que yo capable faire dans bloc pour dégager majorité hein. Mais au même problème là c'est parce que c'est sous base yo fait là et base là pour même ou pas ouais comme si vraiment que intérêt peuple haïtien la donne. Frère, c'était prévisible. C'était prévisible. Parce que nous connaissons les différents groupes qui ont même fait partie du conseil présidentiel ça faut nous te connaissons que groupe ça c'est des groupes qui gagnent de gros intérêts de groupes mafia de intérêts économiques qui cachent des groupes ça la dans te gagne secteur privé a nous connaissons l'on parle de secteur privé en Haïti qui sont dit c'est représentants des oligarques du pays. L'opral, le groupe 21 décembre collectif. 21 décembre, c'était même monde qui s'est fait 32 mois dans Ariel, qui s'est crasé pays à qui la gagne. L'opral PHTK, l'opral RED, c'était même monde qui était dans le pouvoir avec Ariel Henry qui était la gagne. Comprends petit Dessaline. Il était en dans Ariel, qui fait environ et plusieurs mois avec Lisquetel qui était ministre intérieur qui était représentant petit Dessaline en cachette dans Ariel. Donc c'est un bagage qui était prévisible, moun sa yo yo était déjà dans mamel là, il a toujours créé une situation pour retourner dans mamel là au détriment du peuple haïtien. Et c'est ça que nous même nous te quoi si nous voulons résoudre crise là pour éviter genre de problème ça yo. Faut nous t'éviter aller dans le conseil présidentiel là. Il fallait choisir un juge issu de la cour de cassation qui pour permettre nous te former un gouvernement d'union nationale côté que à l'intérieur du gouvernement tu as gagné différents secteurs qui représentaient. C'est seul comme ça nous capable joindre une résolution de la crise qui pour permettre que nous éviter retomber dans la même crise que nous vivons aujourd'hui à là, parce que l'est clair que la Cour de cassation a fait déjà ses preuves dans ce pays. Mais comme et nous dit peuple haïtien, le plus souvent, c'est un peuple qui naïf, son peuple qui quitte Cabrit fin passé, et puis c'est là pour y avoir les fermes barrières. Je dis à là, nous devons vérité, pas même gagner. On capable de dire 15 jours crise a été éclaté. Eh bien, nous ne savons pas combien de temps crise a pas duré. Et nous connaissons très bien qui est la victime, c'est toujours le peuple haïtien qui est la victime. Mais le peuple haïtien n'a dit clairement la victime de inconséquence, parce que quel que soit le peuple qui pas campé debout, eh bien, le peuple ça la mouri à genoux. Ça veut dire la Bato Junior, ça pas étonné, ça j'en dis là, ça pas étonné ça ça cap passer dans conseil là et il pas étonné ou même comme acteur politique puisque ou t'es qui prévoit ça et j'en dis elle t'est prévisible. Mais Kounia Bato Junior,
On garde ça, comment comprendre plus que acteur ça a été dit que ensemble de acteurs groupe ça a été dit, c'est sous base consensus qui est arrivé et vous mettez vous moun ça dans conseil là et l'attendez alors m'a demandé pour réagir comme soit acteur politique tout, m'a demandé comme si vous ta réagi typiquement sous ça. Mais l'attendez on est en coulé Steve Voltaire qui dit que et Gal Blanc fils là, c'est comme si c'est choisi ou choisi mais il est pas fait sous base consensus. Moi même laissez-moi vous dire. Je ne suis pas d'accord avec Leslie Voltaire par le fait que même Leslie Voltaire, si c'était en faveur du consensus, ça a été fait, il n'a pas accepté. OK? Parce que si lui-même a accepté d'entrer à l'intérieur d'un conseil présidentiel, que le connaît PHTK là-dedans, qui fait 13 ans, il n'a pas organisé aucune élection dans le pays. S'il connaît un conseil présidentiel qui gagne représentant 20 accord 21 et décembre 2022, qui sont fait 32 mois là, dans Ariel, qui est payé en otage jusqu'à ce que Ariel allait, mais qui côté pays a eu, lui rentre là dans tête baissée, je ne sais pas quoi jeudi à là pour le Steve Voltaire, pour le faire connaître autrement. Parce que faut que nous suspendons à l'hypocrisie, les nous-mêmes nous avons dénoncé. Des autres saillots pour nous dire comme ça que on allait dans un coup de cassation, le Steve Voltaire pas tant de nous, le Steve Voltaire te dit tête droite. Au contraire, le Steve Voltaire c'était mon qui était plus actif pour former le conseil présidentiel. D'ailleurs, il s'est premier monde qui demandait avant même pour le conseil présidentiel l'a installé pour que force internationale qui entre dans le pays. Je dis, ah, c'est pas les. Yo rive jounen jodi a la, yo victime de un coup mal taillé et puis pour kounya la, la vinn plein la radio parce que le problème était imprévisible. C'est même Jean Simon ou dit pas foué mel nan du feu et puis li pas tande li foué mel nan du feu et puis kounya la vinn crier devant qui sont pas fait voler. OK? Donc nous dit ce problème était prévisible. Pas gain aucune façon pour que le conseil présidentiel ça fonctionne, pour que le droit, je suis capable de dire, majoritaire du peuple haïtien, tu as respecté. Le conseil présidentiel, là, me dit clairement, depuis c'est lui-même qui est installé, là, depuis c'est lui-même qui a gagné pour faire élection dans le pays, là, nous, pour aller vers une catastrophe et une catastrophe qui est prévisible. Parce que, le conseil présidentiel Jean démarré à la. Yo pas le former gouvernement yo. Côté que yo déjà gain premier ministre. Tout ministère yo. Tout en direction générale yo. Tout collectivité territoriale là. Tout ambassade yo qui pral nan men un seul groupe majoritairement et c'est même bagaille qui s'est passé pendant 13 ans. Et pendant 32 mois, Ariel, dans tête pays, qui pral passer. Eh bien, c'est peuple haïtien qui est victime. C'est ça qui fait que nous croyons qu'il est encore temps de se ressaisir, car le conseil présidentiel tel qu'il est constitué dans le dos la loi, nous avons besoin de dire ça, tout le monde connaît, il n'est pas capable de résoudre la crise. Au contraire, c'est déplacer, nous déplacer la crise. Qui c'était une crise avec un exécutif monocéphale pour nous venir avec un exécutif multicéphale. C'est seulement ça, simplement. Mais le problème reste en entier. Problème insécurité, problème grand goût, problème chômage. Ça a prêté en entier. Et si y arrive à faire élection, ce seront des élus contestés. Eh bien, peuple haïtien, fait carré patauger dans la misère. Et je pense que si pas gagné de voix autorisée qui continue, dit c'en est assez pour que nous joignions la meilleure formule à travers la Cour de cassation pour résoudre cette crise, eh bien, puis devant la pétrice. On avance les désirs. Donc, c'est. Très bien. Bateau Junior. Est-ce que vous pensez, face à la situation que le pays ça, on est venu lui dire, après tout le temps qui est perdu pour monter conseil présidentiel,
permettre qu'elle est installée et permettre qu'elle désigne un nom bio pour venir coordonnateur conseil. L'obé vient péter dans le yo. Ou pensez que chaque jour pour nous retourner dans la cour de cassation pour nous redouer le permettre que Mdou et camarade désir où est ça nous est là pour qu'on en ait on va faire nous perdre bateau, mon capitaine, je ne suis pas un prophète du malheur mais cependant les où c'est où mon avisé ou gain capacité pour que on anticiper avant bagaille la vienne plus grave. Nous d'accord sur point ça. Nous dit ça nous est là journée jodi a poukou en rien devant ça qui attend nous là si nous continuer dans cette voie. Bah tu me donnes un petit jambard oui bien loin bah qu'on a ici téléphone dans trois bagaille mais bah qu'on a. Au contraire me parler très fort ou entendez-moi? L'amne de très bien là. D'accord. Moi dit devant problème qu'attend nous puis devant me dit ça que nous commencer constater avec ce conseil pas un rien devant ça capatant nous là. Parce que même nous aussi exemple un conseil qui monte dans la loi ou pensez que bon série de actions qui va le poser est-ce que le pouvoir judiciaire il va le conformer pour que il valider action conseil présidentiel ça même sous la justice pas pour prononcer la justice pour que je me dis rien. Ça veut dire son situation nous crée pour que des une explosion à l'intérieur de l'État oui. Attendez, comme si pas gain aucun moyen pour que l'État ça nous gain là avec ce conseil présidentiel pour arriver vers la stabilité donc. C'est une situation instable que nous créons là, oui. Parce que ce n'est pas possible pour que un groupe individu à la solde de CARICOM qui vient derrière et grande puissance États-Unis, Canada, la France, pour que vous concordez un bagage que le conseil présidentiel, un bagage qui existe dans l'imaginaire, qui n'a pas gagné en quelle référence légale pour lui et puis ou mander pour installer et pour mander pour tout le monde soumettre au désir on capable dire au caprice d'un quelconque conseil qui pas gain en quel rapport avec constitution pays qui encore en vigueur la justice qui ne se prononce pas ou pensez les actes posés par ce conseil la justice lui-même quel que soit son dit quel que soit faiblesse. Je pourrais valider les actions de ce conseil sur le plan judiciaire. Donc, on crée une situation pour que deux pouvoirs puissent affronter l'une avec l'autre. Parce que M. Sayo, qui est en tête, un bagaille, un artifice qui fait qu'il y a assez de légitimité que le pouvoir judiciaire peut engager le pays. Nous dit ça. C'est un mythe qui n'a tête monsieur Sayo. Et ce mythe là, il fait que yo construit au pouvoir côté même yo pas capable arriver en tanyo parce que il y a trop de choses qui les divisent que ceux qui les unissent. Et je dis à la situation qui commençait à là, moi dit ça c'est le début de montagne que n'a gagné pour n'a traverser avec ce conseil présidentiel. Bamande ça, puisque des Ibrahim avancent toujours. Et inquiétude doit montrer là, et depuis au commencement, c'est pas et parce que en dehors de la loi, ultimement, c'est parce que tout, et personnage, et strictio, mais c'est qui représente, il n'est pas crédible dans la société, ou dis-moi si il n'y a pas de bon passé en dehors. Est-ce que c'est ça que plane tout doute ça, là, Kayo? Mon ami, en dehors de crédibilité personnage, n'a parlé de complexité en termes de sacrilé, on capable dire processus là. Parce que si je ne dis à la ou pour Edgar Leblanc en tant que personne, on n'a rien à reprocher à Edgar Leblanc en tant que personne. Mais Edgar Leblanc, je ne dis qui est le président du conseil, il n'est pas représenté tête dans le conseil là. OK? Comme moun. Qui est-ce qui est-ce à chercher qu'on est
à chercher qu'on est qui équipe qui est Edgar Leblanc. C'est toute une machine. Et cette machine qui est devant, derrière Edgar Leblanc, tout le monde connaît, c'est les Bidjo, c'est les Reynolds Dib, et c'est les PHTK qui gagne Michel Martelly. Et ceci, c'est toute machine ça qui est derrière Edgar Leblanc. Et c'est pas une raison hasard qui fait que consensus a rejoint entre eux. Parce que Moïse Jean-Charles lui-même, c'est ennemi acharné parti Lavalas, la personne de Jean-Bertrand Aristide. Mais il dit l'ennemi, Moïse Jean-Charles. Il dit l'ennemi en parole, mais en action, et typiquement que Moïse a rejoint. Et Moïse, il y a un problème avec Lavalas, mais il a toujours été attaché avec un homme comme Jean-Bertrand Aristide. Dans l'esprit de c'est une façon de parler. Si Moïse Jean-Charles était à l'aise avec Lavalas, je ne comprends rien. Moïse Jean-Charles n'a pas fait alliance à Edgar Leblanc avec Claude Joseph. Tout le monde connaît, il a toujours accusé, il a dit que vous connaissez Lavalas, pas jamais pardonné le monde qui était en 2004, il a attribué à 2004. OK? Et je vous le dis là, l'on prend Gilles. Et même Gilles, il est capable de dire que c'est le dissident de Lavalas, où est tous deux, eux-mêmes, ils sont plus à l'aise pour entendre avec Edgar Leblanc, pour Antonio, bien que nous avons dit Edgar Leblanc, à un certain moment, il était de ascendance Lavalas également. Mais cependant, même avec Moïse Jean-Charles. Oui, même avec Moïse Jean-Charles. Mais je ne veux pas là, c'est pour regarder. En politique, il y intérêt, c'est mobile de toute action humaine. Je dis à là, Lavalas, je suis capable de dire depuis 13 ans, depuis 2011, ce n'est pas lui-même qui est tête pays. Secteur qui est tête pays depuis 13 ans, c'est PHTK. Donc, PHTK, c'est encore un pouvoir en vue. Donc, et qui groupe qui est PHTK, c'est les Bidjo, c'est les Reynolds, c'est les Olivier Barrault. Donc, il y a plus de profit à tirer avec l'équipe PHTK que l'équipe Lavalas, même qui gagne environ 13 ans, qui perd du pouvoir. Donc, l'OM, Maurice Jean-Charles, Gilles, etc., sont questions d'intérêt. De intérêt, on est capable de dire économique. Parce que de là, Gilles désire à l'intérieur du conseil présidentiel, donc intérêt que Gilles est en bénéficier, si je dis à l'âme, on est capable de dire Gilles et pas dans le conseil encore, donc il y a des problèmes personnels, Gilles est en train de résoudre encore. Il y a des résoudre. Parce que l'investissement qui est en fait. Oh, bah, c'est oh, frère. Ça veut tellement que tu as qui est investi là comme intérêt là avec Nexayo. Monsieur, il faut aller chercher. En tant que journaliste, monsieur, allez informer. Non, t'allez. Bonne information. Non, bateau. Si tu as bagay nan men yo, qui côté le sorti, qui secteur qui baille yo, à partir de qui est-ce que tu fais transition pour ça au baille au dérivé Jeuneville? Monsieur, depuis l'ensemble de personnalité ça yo nommé au niveau du conseil présidentiel, c'est le secteur privé qui s'en charge de tous. OK, nèg yo gen machine blindé nan mayo sécurité nèg pas même dépend de l'État, tout te dépend du secteur privé. Gen de nèg qui change caille, c'est secteur privé qui ba au caille. OK, gen de nèg qui gen gros l'argent nan mayo que yo te gen encadré yo. OK, non parle pas de quoi qui te gétant débloqué dans l'État. Mais avant quoi qui te débloqué dans l'État pour Nexayo, eh bien, secteur privé a te gétant prend en charge tout monsieur Sayo. OK? C'est pour vous dire que, je ne veux dire là, c'est pas intérêt peuple là, contrairement à Samoï Jean-Chalab, parce que tout le monde pas pour l'école. Question sécurité à besoin et pas ça moi hein c'est qui mon petit bail dans mes là ou pas Jean moi jeune petit garçon là moi gars génie on non seulement moi non seulement moi gétant et fait peur avec Ariel Henry. OK, il t'a fait peur avec Ariel Henry. Nous te connais à travers les Skittel au niveau du ministère de l'Intérieur. OK, mais de moment que moi Vétilaire et que moi il y a un conseil là, il y a une grosse eau qui tombait, OK.
Donc, représentant que moi, il y a, attention, pas bien, c'est moi qui mito. OK? C'est moi qui mito. D'ailleurs, moi, je suis très conscient. Moi, je suis très bateau. Ou après, même dans l'Académie française, moi, je suis passé. Pour le faire, pour le faire, faire des choses. Bon, moi, je ne vais pas arriver sur ça parce que, en politique, il faut qu'on mesure pour qu'on soit faiblesse. OK? Donc, pas qu'on m'a qui m'a dit pour aller parler français. OK? Donc, c'est que nous avons parlé créole. Parce que moi, je ne vais pas juger une exécution parler une langue. Exact. Mais le problème qui se pose, c'est parce que, ou pas qu'on n'y faut soit faiblesse. Exactement. Ou pas qu'à parler français. Ou parler langue natale, langue natale, non, elle est langue natale, parler langue ou parler langue ou qu'à parler. Bon, nous c'est ça qui, c'est ça le problème. Nous pas entrer là parce que là c'est un débat, une question de si pas entrer décider ou pas entrer là. Mais écoute n'a bateau, ça bon nous comprendre. Bon, ça m'a pensé comment poser question bateau et gagne information nous même nous gagne. Moi des informations nous gagne. Mais là c'est un acteur politique qui sous scène tant qu'on dirigeant FND et qui pèse aujourd'hui hein, qui est comme Andy coordonnateur qui s'est ancien député Serge Jean-Louis et Serge en pile monde aujourd'hui hein, et son qui ont crédibilité dans le pays en Médi Sauvelet et pas prendre l'affaire avec monsieur en pile c'est là ça en pile monde comprendre du siège. Gagne information que gagne mais là c'est un acteur tant qu'on ca banou yo nous même nous voulons kembe nous voulons comme si nous mais c'est dans bouche acteur qui est sorti parce que pas oublier et réseau à monde cap suivi là qui a toujours comprendre bon nous même là monde laissons acteur comme si nous voulons que le gars plus force. Mais bateau, si nous essayons de comprendre, bateau, selon ce qu'on dit là, et on franchit dans le secteur privé là, pour me généraliser, il y a pensé réparer tes yeux là encore là, si vous comprenez bien. Parce qu'en plus, on dit, il y a des gens qui sont comme c'est pour le. L'on parle de réparer tes yeux. Monsieur, ça n'a pas de jambes dans une situation difficile, peut-être, pour des raisons capables de dire. Inavouable pendant qu'elle était là planté essayer mettre sanctions économiques sur certains d'entre eux alors mais ça me dit tout le monde connaît les sanctions ça yo mais ça me dit bah ça veut dire négio qu'on est là et c'était privé à psy négio a repris un contrôle l'état politiquement si me dire comme ça non mais c'est secteur privé qui a toujours contrôlé l'état. Pas bon au moment que nous déconnais que c'était l'État qui t'a régulé tout le bagaille. D'ailleurs, on regarde même, depuis les CARICOM a monté du sang, non? Dans l'accord qui était signé et qui était proposé depuis le mois, le fin novembre, si je ne me trompe pas, depuis décembre, les CARICOM étaient entrés. Premier bagaille qui était proposé, c'est que le secteur privé a été écrit noir sur blanc, la relance économique. Dépendra du secteur privé. C'est pas sans raison que ouais, secteur privé a toujours positionné dans toute négociation yo et dans conseil là encore ou bien représentant secteur privé a. C'est parce que le secteur privé des affaires yo même c'est yo même qui voulait économiquement asphyxier l'État, économiquement asphyxier pays a et c'est pas sans raison je vous dis là. Nous avons divers gangs qui éparpillés un peu partout à travers le pays. Et ces gangs-là, tout le monde connaît, ce sont des gangs qui se rattachent soit au groupe qui gagne Reven Bidjo, qui gagne Renaud Dib, qui gagne Olivier Baouladan, soit à autres groupes qui gagne les Bossans, les Calboiron, pour des intérêts économiques, il y en a pour mettre l'autre, pour faire concurrence déloyale. Nous disons qu'on est, nous qu'on est douane Port-au-Prince là, qu'il y a une rivalité entre et les Boussans, et côté que eux même c'est opté gagné Port-au-Prince là, ou qu'on est avec arrivée de Martelly, bagaille a changé, bagaille a renversé, eh bien, il y a un gros gourmet qui gagne entre deux groupes ça, et c'est ça qui fait que en bas la ville là, au niveau de Wap Jérémy, au niveau de la Saline, au niveau de Haute-Mer là, dans Dubaï. Ou t'en dis pas? Plaisir. Moi dis que c'est pas de hasard qui fait que jodi a la moun pa ka vivre au niveau de Baudemer là, au niveau de la Saline, au niveau de Wap Jérémy. OK? Donc situation li intenable, c'est parce que c'est des intérêts économiques à régler au détriment des intérêts du peuple haïtien. Ça, il faut le savoir. Et c'est là le plus grand malheur de ce pays. Et je vous dis à là encore,
problème là éclaté dans visage de tout de très tôt au sein du conseil présidentiel. Et si le peuple ne se soulève pas pour résoudre et ce problème, plus tard sera plus triste. OK? Je dis, si le peuple ne se soulève pas pour résoudre ce problème, plus tard sera plus triste. Donc, il est encore tôt pour que les secteurs progressistes de ce pays qui croient encore dans un Haïti régénéré, pour mettre tête ensemble, pour constituer une force, pour barrer la route à des autres qui nous guettent. Et si rien n'est fait, nous dit plus tard, sera plus triste. On avance ses désirs. Très bien. Pour bon côté pour vous, pensez vraiment que M. Dame dans le conseil présidentiel là, a privé la conscience pour tirer la révérence pour permettre au moins que un juge qui a sorti dans la cour de cassation pour venir prendre le pays tant que j'en ai fait sur l'État Pascal Trouillot. En pile, le monde toujours prend comme exemple qui a organisé une élection libre, honnête et démocratique sous gouvernance malgré après le devine subi. Nous n'avons pas demandé pour prendre conscience, non. Nous connaissons pas de chambre conscience. Mais nous demandons pour que le peuple prenne responsabilité. Nous demandons pour que les groupes progressistes de ce pays se mettent ensemble. Parce que nous pas qu'à croiser bois nous pour nous quitter. Il y a un petit groupe monde qui, eux-mêmes, jouent support les mafias économiques de ce pays pour disparaître Haïti dans mes nous. Nous pas capables de camper comme de patriotes pour accepter ça qui a passé à là, parce que nous dit ce problème qui éclatait dans le visage nous était prévisible. C'est un bagage qui est prévisible. Nous dit l'éclair, je dis à là, ensemble de partis politiques qui appuyés par le secteur privé qui n'a tel conseil présidentiel là, ils ne peuvent pas mener nous canarins. Ils ne peuvent pas mener nous canarins pour plusieurs raisons. Parce que les raisons qui cachaient des conseils ça, li pas permettre que crise la résoudre. Il y a trois contradictions parce que mafia économique là, c'est lui-même qui a frappé à l'intérieur du conseil. Les deux groupes mafia de ce pays, côté que c'est eux-mêmes qui contrôlaient les ports de ce pays, Port Lafito, Port Port-au-Prince là. Et je vous dis à nous joindre au niveau de Mariani, on n'a pas traversé Mariani. Mariani, excusez-moi, c'est pas un bateau qu'on a traversé et rad Port-au-Prince pour aller soit au niveau de Grecier, au niveau de Léogane. C'est gros intérêt économique qui caché derrière ça. OK, un ensemble de secteurs économiques qui pas d'accord payer droit de taxe. OK, yo pas vle et pour que bateau yo accosté dans Port-au-Prince pour pas payer taxe. Ces gens de bail ça qui caché derrière, on capable dit mafia économique là. Nous dit si nous vle échapper de problème ça, eh bien il faut résoudre ce problème par installer un juge crédible issu à la Cour de cassation, et puis pour nous former un gouvernement d'union nationale avec un premier ministre de consensus. Et si nous pas remédier au plus vite, plus tard sera plus triste. C'est position PAM. Moi-même, moi pas de problème avec Edgar Leblanc, n'en déplaise à Edgar Leblanc. Mais cependant, tout le monde connaît que Edgar Leblanc, en tant que personne, on n'a rien à lui dire. Hein? On n'a rien à lui dire. Mais cependant, mais quantité de mafia économique qui est Edgar Leblanc, c'est pour le malheur de ce pays. C'est pour le malheur de ce pays. D'ailleurs, son gros service n'a aidé Edgar Leblanc parce que pour Edgar Leblanc, ouais, qui sacrivait le président Jovenel Moïse, qui te fin prend l'argent dans mes mafias dans le pays d'Haïti pour te faire campagne.
et il était pensé que le déca échappé de mafia ça yo li wè qui sort et Jovenel Moïse en 6 7 juillet qui était passé là. Et ben il en est de même. N'a dit Edgar Leblanc, nous connaissons moun de bien que lié. Nous pas gagné nous ka dit. Mais concernant mafia qui derrière yo, li pas capable échapper de mafia ça yo parce que ces mafias pèsent très lourd dans ce pays et mafia ça yo c'est intérêt yo qui priorité par yo, c'est pas intérêt d'Haïti. Jodi a la, encore n'a constaté le peuple a pas ka circuler, peuple a pas ka manger, peuple a pas ka vivre. Ça pas dit mafia ça yo rien. L'école pas ka fonctionner, ça pas dit mafia ça yo rien. Insécurité bat le plein, ça pas dit mafia yo rien. Ça intéresse mafia yo, c'est leurs intérêts économiques purement et simplement. Nous dit il est encore temps, au contraire, nous sommes en train de rendre un service au sénateur Edgar Leblanc parce que puis devant les vacances qui s'est arrivé, nous pas ta souhaiter une deuxième fois que nous gagnons une haute autorité de l'État victime dans même condition que nous connaît président Jovenel qui est victime 6-7 juillet 2021 qui s'est passé à là. Bien que vous avez prédit que M. Damio, à travers le conseil présidentiel, là, suite avec différentes tendances que vous gagnez, des étapes difficiles pour vous déjoindre, un compromis ou un vrai entente qui permet de retirer le pays dans sa trouver sur les jeudi. Mais après le monde, nous avons dit que c'est après même bagaille là, si nous sommes allés dans la cour de cassation, à travers le congrès ou Anamet, c'est le consensus populaire des secteurs qui étaient dégagés, l'idée pour nous aller et pratiquement dans la cour de cassation. Écoutez, normalement, à la cour de cassation, m'pa kwè que ni FND, Force Nationale pour la Démocratie, ni le Congrès Anamet, nous gagne moun pa nou nan cour de cassation, non? C'est peut-être un souci pour nous aider pays à sortir dans crise que li jounen jodi a. Résolution Congrès a te permettre que nous te mettez quand pour commission et commission ont allé étudier dossier certains juges à la cour de cassation et dans étude de dossier yo nous te fait une conclusion et ces conclusions qui te permettent que nous te tombé sous juge Altenor Patelmi. Moi-même quand parler à vola m'poko jamais rencontré juge Patelmi pas même une seule fois de ma vie. OK. Mais d'après information que j'ai gagné à travers le travail de la commission, je sais que le juge Barthelmy Altenor, c'est un homme honorable, c'est un homme honnête qui a bien servi son pays et qui continue de bien servir son pays. Où qu'on a Haïti qui s'allie? Où qu'on a Haïti qui s'allie? Où est Haïti? Bon, tout bien. Haïti yo capable de serre ou manger ou pas jamais serre ou parole. Côté ou moun capable de serre ou plat manger, mais la parole li pas jamais serre ou. Si je dis à la nous rive là, si te gen quelque chose qu'on peut reprocher au juge Altenor Patelmi, yo tap gen tan dil. Yo tap gen tan dil. C'est parce que qu'on n'a rien à reprocher au juge Altenor Patelmi qui fait que en pire secteur a peur de ce juge par le fait, je dis c'est un juge irréductible, c'est un juge qui n'accepte pas n'importe quel compromis, ok, dans son travail. C'est-à-dire, depuis ou au niveau de pouvoir judiciaire là, y'a pas qu'à gagner contrôle, y'a du ou c'est un monde qui pas abordable. Cela veut dire, son monde qui pas d'accord rentrer dans compromission. Eh bien, c'est pour ça, en pile monde, là, entendez, le Congrès national, Anamet, FND, Force nationale pour la démocratie, entendez, en pile l'autre organisation, encore, t'as demandé pour aller dans le cours de cassation, pour aller choisir le juge Altenor Patelmi, eh bien, mon secteur mafia, ça, yo dit, si, c'est l'analé, il a perdu tout intérêt économique que t'as gagné. C'est ça qui fait que, il y a renforcer le statu quo
il a renforcé la corruption, il a renforcé le désordre qui menait nous jusqu'à présent à la à l'installation du conseil présidentiel que nous connaît, qui installé dans des conditions irrégulières, capable de dire en dehors de la loi, et qui commençait à remettre nous un spectacle désagréable pour l'avenir de ce pays, un spectacle désagréable pour la démocratie, un spectacle désagréable pour la stabilité de ce pays, un spectacle désagréable pour l'existence même de notre État. C'est ça qui fait que nous continuons à réclamer le mot du doigt, nous continuons à réclamer pour nous aller à la Cour de cassation pour nous choisir un juge en la personne du juge Altenor Paltermi pour nous résoudre ça. Nous dit monsieur Edgar Leblanc, n'en déplaise à vous en tant que personne, vous pourrez être un ministre comme ingénieur, soit ministre des travaux publics, je ne sais pas, ou bien n'importe quel ministre, vous pourrez servir votre pays honorablement sans vous n'aurez rien à rendre au secteur privé. OK? En tant que personnalité. Mais dans situation que nous connaissons là avec mafia qui campait des doyo là, nous dit c'est pour le malheur de ce pays. Nous pas gain intérêt pour que puis devant bagaille la vienne dramatiser. Nous dit c'est pour votre salut que nous conseillons ta sorti dans réseau mafia ça qui pas mener nous canarin qui pas mener Haïti nulle part qui pral enfoncer Haïti dans le désordre, dans l'anarchie, dans l'insécurité, dans la corruption davantage. Maman de Sabato Junior, Jean-Jodi a observé réaction soit équipe Aquamontana, Bureau suivi Aquamontana, ou a regardé réaction Famille Lavalas et de l'autre secteur encore qui ont même déjà tiré pied par rapport avec question et on dit surtout qui est pour avec Premier ministre Fritz Belizière que je crois yo désiré hein? Et où senti que conseil ça bon j'en parle à l'éclair mais est-ce que ouais comme si son conseil qui pas gain avenir même peut-être dans les cas venir là moi même dit Juno dans les cas venir là yo. Moi-même, moi t'ai déjà dit déjà, nous dit des environ plusieurs conseils qui passaient dans tête pays d'Haïti de 1956 pour arriver à 1948. Pas gen youn la dan yo qui t'est arrivé résoudre aucun problème que yo t'ai metté yo pour te résoudre. M'pas quoi c'est jodi a pour un conseil présidentiel qui monte dans tête Haïti dans une situation qui beaucoup plus compliquée que dans la situation que qu'on y est déjà avec un secteur privé qui plus corrompu que tout secteur privé qui passait en Haïti depuis plus passé un siècle déjà pour ne penser que conseil ça t'est pas résoudre crise que tu nous jodi a et ça fait que nous lançons un appel, un vibrant appel à tous les secteurs progressistes de la vie nationale. Parce qu'il faut mettre la balance, il est temps de se ressaisir. Montana, il est temps de se ressaisir. Nous disons à sénateur Edgar Leblanc, faut pas insister dans l'erreur. Vous connaissez ça très bien. Mafia économique qui campait des dollars à travers PHTK. Mafia ça, c'est mafia ça qui campait Haïti depuis 13 ans. Dans insécurité, dans corruption, dans kidnapping, dans toute qualité de combine. Où qu'on n'est pas capable de délivrer marchandises avec ce mafia. Nous dit, avant Pita, de préférence, nous conseillons, ralécor, remettre démission, pour le salut du pays et pour votre salut personnel. Parce que, pas aucun moyen pour que sénateur Edgar Leblanc t'arrive résoudre crise côté nous et journée aujourd'hui à là, avec quantité de contradictions qui existaient entre tout secteur ça yo, et laisser frapper qui gagne entre deux gros secteurs économiques qui campaient en d'un conseil présidentiel ça.
Et Baton, nous dit, je m'a parlé, mais avancez. Nous dit, avant que li trop tard, on retourne. Conseil là, doué pour un conseil. Pour aller dans la cour de cassation, pour nous mettre juge Altenon Batelmi président, pour nous. Bon, nous capable même dit, monsieur Edgar Leblanc, si monsieur conseil ouvre, que le désire comme le nouveau premier ministre avec un juge issu à la cour de cassation et laisse ça former un gouvernement d'union nationale, un gouvernement qui a gagné tout secteur là-dedans, qui a bien formé la valasse là-dedans, qui a bien petit de saline là-dedans, qui a gagné Montana là-dedans, qui a bien aidé et Red là-dedans, un gouvernement large, ok, pour nous pas tomber dans crise plus profonde que crise que nous gagnons aujourd'hui à là qui déjà annoncé à l'intérieur du petit conseil. Ça c'est un conseil que moi-même moi pas conseil là. Est-ce que je dis à Bato Junior, on t'a dit que si par exemple et puisque je dis à crise Haïti à qu'on est là, c'est notre c'est tout pays à cap vivre, c'est diaspora haïtien cap vivre. Et nous, ouais, que Ariel pas de café, Ariel pas de volonté, Ariel pas de ça, n'a pas de faire rien. Et nous, ouais, je dis, il y a trois propositions, mais il y a trois groupes qui sont table, qui là, en dedans pays. Hein. Et groupe qui n'a conseil, groupe qui n'a Guy Philippe, groupe qui n'a coup de cassation. Est-ce que je dis, si tu as une éventuelle possibilité pour faire trois groupes, ça aussi, tu as vraiment sous table, pour jouer une vraie solution. Ça ne va pas oublier. Il y a un acteur, je dis, en crise, qui s'est missionné avec Zamio. Est-ce que je dis, selon même comme dirigeant de parti politique, districti, si que tu as fait appel avec tout groupe, ça, pour mettre sous table, pour jouer une solution avec Haïti, est-ce que vous-même, dans FN2, nous d'accord pour un tel, ou t'as d'accord pour une telle initiative, et comment que tu es capable d'aborder? Bon, écoutez, nous tous ces petits pays d'Haïti, nous tous nous t'arrêmé ouais pays d'Haïti sorti dans crise en côté lié je ne vous dis là. Mais cependant, ça me capable dit en ce qui concerne monsieur Axamio, ce n'est pas à moi de leur donner garantie. Garantie c'est un l'état cabayol. Donc je pense que aussitôt que nous avons gagné juge Batelmi qui finit installé comme président, juge là a gagné pour former une commission. Et commission ça, nous capables de l'île, une commission de désarmement, d'insertion, d'intégration, tout ça, eh bien, une commission ça, c'est lui qui travaille avec tout secteur, particulièrement monsieur qui est Sam Nameyo, pour connaître comment il va établir les critères pour que monsieur Sayo remette ça. Parce que, qu'on le veuille ou non, même si on fait payer un pile tort, même si on fait un pile sans couler, mais je ne vous dis à là, je pense que nous pas qu'à résoudre le problème dans les six frappés. Parce que, il y a un pile jeune femme, jeune garçon, qui je ne vous dis à là, il rentre dans un pile. C'est parce que pas de l'État, c'est parce que l'État pas de fait travail, c'est parce que l'État t'es exclu en pile jeune femme et garçon dans le pays, pas mettre encadrement pour que jeune n'y te connecte à côté de moi et ça m'a dit l'autre bagaille y'a te café. Donc, si moi-même, si ou même Peterson, si ou même Desi Vénès n'ont pas moi et ça, c'est parce que l'éducation familiale n'ont pas de permettre que nous-mêmes, et nous dérivés là. Bien que, en soi, il faut dire, nous n'avons pas parlé de moyens armes. Nous voulons parler de moyens armes de manière illégale, parce que ça, en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. OK? Il faut le dire. Parce que, contrairement à l'homme, on a parlé de moyens armes, c'est comme si nous voulions faire nous comprendre que les armes dans son monde pouvaient bagaille. Pendant ce temps, nous avons fait nous comprendre les armes dans son mauvais bagaille là, et puis nous-mêmes, c'est avec les armes que nous conquérons le monde. OK? C'est là qu'il y a eu Zam dans sorti. Donc, nous devons rappeler tout le monde que Zam en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que, à l'époque, côté pas de gagner Galil, côté pas de gagner M14, il y a épée à son Zam. Les pierres, tu as l'épée.
il a coupé les oreilles Marcus, Jésus-Christ pas dit que j'étais bien. Jésus-Christ a dit fourré et payé à ma foule. Ok? Parce que, ça m'a dit que ça ne pas dépend pour quelle cause qu'on utilise. Donc, c'est là le problème. Ça m'a dit que M. Arbino a utilisé pour une mauvaise cause. Il a utilisé pour être super et pour être tête par eux. Ils ont utilisé pour détruire frère, ils n'ont pas utilisé pour une bonne cause. Si ils ont utilisé ça pour sauver Haïti, ça aurait été une bonne chose. Mais ils ont utilisé ça pour détruire Haïti. Ils ont utilisé ça pour tuer la police. La police est là pour protéger et servir. Ils ont utilisé ça pour renforcer la police, pour que la police fasse travailler. Ok? Pour combattre. Nous sommes capables de dire que nous avons fait des ordres économiques dans le pays pour que Haïti soit libéré de l'emprise du système mafieux. Nous avons dit que c'était une bonne chose. Et mais c'est pour ça nous disons clairement qu'il faut qu'il y ait un président qui établit dans le palais national selon la loi qui pour permettre une garantie, nous avons dit confiance. Qui pourrait permettre que il y ait deux commissions qui mettaient avec deux mondes qui crédibles, qui capables à parler avec M. Sajo, pour lui faire au déposer de ça, pour arriver, mettre un pays un cadre, pour créer stabilité dans le pays, pour que la population en mesure pour circuler, libérer tout partout, pour que la population qui déplaçait près de 300 000, je dis, elle est capable de passer à 400 000 pour retourner la caillou. Pour que nous capables de dire, diaspora, qui va rentrer dans le pays, nous capables de rentrer en Haïti, investir dans le pays. Nous disons, c'est ça que nous demandons nous-mêmes. Et nous pensons, la meilleure formule qui permet que nous fassions ça, c'est aller à la Cour de cassation. La formule imposée par la communauté internationale, c'est la formule de désunion. C'est la formule de pour rendre Haïti stable. C'est la formule qui peut permettre que Haïti reste dans l'instabilité permanente. Parce que vous connaissez ça très bien. La communauté internationale s'est divisée pour régler. Le pape quitte nous sortir dans la crise. Parce que si Haïti n'est pas dans la crise, pas de communauté internationale encore. C'est dans la crise pour nous toujours y être, pour que CARICOM existe. Okay. C'est dans la crise pour nous toujours y être, pour que OEA existe. Vous comptez depuis que les OEA apprennent en Haïti, depuis après 1986, nous avons toujours tenté, nous avons tenté Orlando, toutes les gens qui sont en Haïti. Est-ce que la crise jamais résout en Haïti? Vous comptez depuis que les missions Nations Unies ont débarqué en Haïti, depuis 1994, OK, mission Nations Unies établie en Haïti, MIPUNA, MIPONU, BINU, est-ce que ou Haïti jamais résout crise ou jamais Haïti stable? Les messieurs dames Nations Unies, OEA, quelle que soit organisation internationale, rentrer dans le pays, Royo, c'est créer discord entre les citoyens, entre les nationaux pour que eux-mêmes soient capables de régner. C'est divisé pour régner. C'est ça qu'ils viennent créer. Tu vois qu'on est très bien. La meilleure formule qui doit permettre nous de résoudre la crise, c'est de choisir un président à la Cour de cassation. Vous pensez que États-Unis, Canada, la France, les ont salué l'installation du Conseil présidentiel, ils ne connaissent pas très bien que M. Sayo, ils ont tombé dans des unions une à l'autre. Ils ne connaissent pas très bien M. Sayo, qui a un conflit entre eux, ils ne connaissent pas au sein du Conseil. Ils ne connaissent pas très bien. Mais c'est une façon pour que eux-mêmes, ils ont toujours été comme mon tuteur. C'est pour nous toujours été comme maître, pour que nous-mêmes, nous toujours besoin de service. Si nous arrivons à créer stabilité, eh bien, cette communauté internationale n'est pas existe encore. Okay. C'est dans la désunion, nous, c'est dans la division, nous, nous existons. C'est nous créons. Eh bien, il est temps pour que nous ressaisissions. Il est temps pour que nous-mêmes, nous nous rendions compte que problème non, c'est nous-mêmes qui principal problème non, parce que la solution est par devant nous. Nous préférons fuir cette vraie solution, hein? Et puis pour nous-mêmes, nous allons faire communauté internationale plaisir.
pour nous satisfaire des intérêts économiques des secteurs mafias de ce pays au détriment des intérêts supérieurs du peuple haïtien. Nous dit il n'est pas possible pour nous continuer qu'en Haïti dans situation que lié journée jeudi à là. Faut que tous les secteurs progressistes de ce pays se mettent ensemble pour nous éradiquer problème division ça qui fait que Haïti pas capable de faire un pas vers l'avant. Et c'est ça que moi-même moi lancé comme appel en ce moment historique de notre histoire de peuple. Merci un peu, Bato. C'est un plaisir, Bato, pour nous défendre ce parler. Merci un peu, mon frère. C'est à moi de vous remercier, camarade Blaise Peterson, camarade Désir Vénès, et nous toujours disponibles quand il s'agit de parler des affaires de mon pays, parce que je suis condamné jusqu'à ce que je ne sois pas capable encore pour que moi-même, je coume pour que Haïti reprenne ses droits dans le concert des nations. Merci infiniment. Désir, bon, nous dégâts avec nos bateaux juniors là. Bon, c'est Kounia, nous allons voir ça avec Ressé Mission, bon côté pas non. Mais ça qui attire attention, Désir, ça pour nous parler là, Kounia. Gen Lavalas, gen Andy, Akon Mondana, yo pété coquin. Yo pété coquin par rapport avec Jean que yo wè et Désiration Edgar Leblanc fils. Comme coordonnateur et Fritz Bélizière comme premier ministre. Bien que question Fritz Nankounia la li en discussion, elle veut dire que li pa passe, bon, baka di la passe, pa passe, mais Kounia, yo d'accord que l'autre secteur qui voye de moun en dedans en conseil là, que pou yo voye de l'autre moun tout, et pou yo étudier de ces moun sa yo, pou yo qui est-ce qui remplit critère, qui est-ce qui respecte condition yo, pour que li ta capable vini premier ministre bon côté conseiller yo. Et autant de bateaux junior, mais c'est montre que tellement gagné de gros bras cachés des questions ça, les montre que hey, même Edgar Leblanc fils ou un nèg désir là et pas bas politique qui réglé. Afin Moïse Abdi pour débloquer crise, pour faire ci, pour faire ça, que Joseph Abdou, yo voté honnêteté, intégrité, sobriété, tout bagay sa yo, tout ces renstay selon ça que Bato Junior t'a voulu faire comprendre là. Li montre que pigo bra caché derrière ça, c'est bra politique là. Al pardon, c'est bra économique là. Économique très bien. Bra économique là et pas oublier. Nous gagnons classe politique qui c'est timoun. Classe économique là. Tendez bien? Et c'est pas jodi a nous la prendre ça. Classe politique là, li se ti moun classe économique là. Parce que c'est classe économique qui baille dans classe politique en bon, belle machine. Et c'est au cas faciliter jeune visa. Ça veut dire c'est vraiment ti moun yo et c'est tout yo que yo yé. Et pour me pas généraliser, 99,9% femme à garçon qui fait politique en Haïti, yo gen un grain nèg dans classe économique haïtien qui n'a pas chou. Et nèk sa, li se met yo, et yo se ti moun nèk sa. Yo met yo krasé, brisé, pie, devandalisé payan, y a préféré encore. Parce que intérêt yo, c'est pas intérêt Haïti, intérêt c'est une belle machine, c'est jeune visa, et c'est permettre que nèk sa ka facilité yo bâti un kay, c'est ça intérêt yo. Que donc je dis en là, ça que m'le ken comprenne, ça que m'le ken gade, dans situation, dans réalité, et ensemble de ça la Bible là yo yo mérité que nous capable questionner yo mérité que nous capable garder ensemble ça gela comme problème et comme réalité des jeunes. Mais situation li important pour nous garder réalité yo et vivre comprendre. Difficulté que pays a fait face là, l'état mérité que chaque acteur fait déplacement de soi. Si monsieur dame qui n'a conseil là comprendre, river imaginer que pas ca délivrer marchandises que vous avez dans tête vous êtes capable de livrer à les conseils bagages que vous devez faire qui a dans intérêt pays là c'est retirer quoi et toi frustré qui fait partie conseil là les personnes par rapport avec groupe majoritaire qui en dedans conseil là et ben trois moun ça yo pour au moins la république ta wè yo pas conseil yo pas patrie yo pas marchand pays c'est pour remettre démission pour rester quoi dans conseil là laisse ça n'a pas de comprendre est-ce que yo pas gain volonté pour permettre ensemble des crimes, ensemble des actes que le Conseil présidentiel a pris
pour le faire dans tête pays. Je dis, hein, qu'est-ce que conseil présidentiel ça? Il y a bail carte blanche avec un ensemble de nègres qui étaient sanctionnés. Est-ce que vous connaissez, pendant la journée 1er mai, ancien sénateur Yuri Latortu parlait avec la presse? Oh. Il parlait avec la presse et il fait quoi qu'elle retourne pour bon? Il sortit dans le silence. Elle déclarait que c'est Ariel Henry qui était comploté avec la communauté internationale pour te sanctionner. Et je dis, mais Ariel Henry n'a pas mis des pieds dans le pays d'Haïti. Vous pouvez comprendre ce qui a passé là, malgré l'insécurité plongée dans le département de la Tibonite, empêcher les citoyens de vaquer avec activité, accusation à peser sous dos ancien sénateur, ni pas entendre vos propres dispositions. Malheureusement, c'est non tiré boulet sous leader politique même Jacques, c'est tiré boulet sous chef gouvernement et en pile dans yo soit ensemble dit que t'es gain qui pas respecté. Mm-hmm. Et c'est là, c'est ensemble ça qui toujours rivé de l'explication qui met que pays a connait situation difficile. Dans cadre conseil présidentiel là, c'est pral les pires. Parce que chaque monde ça yo, yo souche yon côté, yo chaque monde ça yo, yo gon groupe monde qui compte sur yo qui prétend on bagaille dans mail. Ou après Maurice Jean-Charles Petite Dessaline, en dedans conseil là, lui-même, c'est pour dominer conseil là, présence Petite Dessaline en dedans conseil présidentiel là. C'est pas sans raison qui fait Maurice Jean-Charles lui-même, il te dit que li pa pral voye représentant là, candidat dans conseil là. Parce qu'elle connaît pouvoir politique, pouvoir décisif, c'est premier ministre qui pral gagne. C'est chef gouvernement comme premier ministre qui pral gagne. Ou après, qu'elle entend ni, li dit que yo négocier. Yo bay vote là avec Edgar Leblanc-Fils, yo prend premier ministre. En gros point, pendant ou pas respecter accord politique qui était signé entre différents secteurs en dedans et conseil présidentiel là, en dedans accord ça qui était créé conseil présidentiel là qui était élaboré 3 avril passé à la situation. C'est jouet coquin, c'est jouet mesdames et ensemble jouet ça yo. C'est pas tinette qui sorti en dehors yo cap jouet yo. C'est nek qui dans le secteur économique des affaires là et ils ont investi en pile l'argent pour ça des personnes. Pour arriver disperser, pour arriver mettre division dans mi-temps, monsieur dame ça qui était bras sous bras ça, qui est allé plusieurs fois au Jamaïque pour Alchita, manger ensemble, danser ensemble, dormir même côté, voyager même côté, tout simplement pour te venir chercher pouvoir pour te venir représenter les États-Unis, le Canada, la France dans tête pouvoir politique dans le pays d'Haïti. Si ou est au cap arriver diviser je dis oligarque corrompu qui participait dans touyer président république là qui participait dans permettre un paquet de jeunes garçons à tirer coup de zame entre eux yo investi en pile l'argent dans ça et Moïse Jean-Charles tankou Jacques Sauvé Jean te dit yo nèg qui diplômé OK yo nèg qui entend ni c'est un investisseur c'est un entrepreneur non manifestation dans pays là parce qu'il connaît il calcule bien combien l'argent qu'il a investi malgré militant yo toujours fait quoi que Maurice Jean-Charles, c'est nèg qui difficile pour le planel. C'est pas nèg qui mange viande qui gazo, c'est hot dog qu'il mange. Et c'est donc qu'on a le gébaï dans le dos, c'est ça qu'a dit la rivière. Qu'on a, je sais pas, c'est un petit gagnant de l'autre, la mange les potes de trois paquets hot dog. Ça veut dire, même chien qui dans la rue, pas bien zo, dans même Maurice Jean-Charles. C'est une situation qui est extrêmement difficile. Et malheureusement, chaque fois que acteur de gagne gauche, acteur gauche et droite, ça y est, faire pour yon sentir fier, pour yon monter au chrono, pour yon monter à travers micro la presse, pour yon vindi, yon se madri en politique, yon fait pour politique, et cependant, zéro pour peuple. Qui ça t'a dit ça? On est pour Maurice Jean-Charles, t'a montré, t'a déclaré que bourgeois dans le secteur privé qu'il te qu'on a dénoncé, qu'il te qu'on a dit, pour peuple haïtien, al krasé musicien, krasé banquier, et Maurice Jean-Charles dit que moun sa orele dans le téléphone. C'est quoi ça aurait le président de son? Dans quel objectif qui aurait le? Même Maurice Jean-Charles, qui voit les États-Unis comme cancer pour Haïti, il dit que les États-Unis content et puis nous prenons Jean Abgade. Claude Joseph, qui voulait servir de pouvoir qu'il a là comme bouclier, pour cacher à l'encontre de ça qu'il y a bien, qui a pesé sous l'eau, non pas c'est qu'il y a rien de sérieux qui a fait là. Si M. Damien était sincère, dans l'installation du conseil, les de son. Non, désignation moun kap vin président conseil la gade moun yo pa ta autorisé entre candidat espace ça. Et de fait, même groupe moun qui prend sanction contre moun sa yo, yo chita face à face à gade yo. Y a gade moun sa yo, ta ka di son miwa. Ki sa veut dire pour peuple haïtien?
Ça, ça veut dire que jeune garçon et jeune femme qui a fait politique dans le pays. Hein. Chaque fois que nèg yo senti que pouvoir menacé, yo cap détruire n'importe monde avec décision ou disposition que au plan qui pral les pieds pour conseil présidentiel là. Peut-être que doit pas gagner arriver là parce que ça cap décrit là, si pas gagner en top qui précède jeune des personnes. Ben comment les jeunes là déjà crasé. Bon, mafia avec mafia, il y a dégagé intérêt yo. Il y a partagé intérêt au quota, il y a partagé intérêt yo et tant que Jean l'autre t'a dit dans pourcentage élevé et qui permet que au moins yo guéri plaire yo apaiser douleur. C'est ça qui a fait pas l'autre bagarre non qui a fait là pour baisser la gala et en pile synergie. Et est-ce que tout nous imaginer est-ce que ensemble de notre ça yo différents monde qui a monté qui officier yo est-ce que c'est pas pour faire diversion pour faire temps passer d'ailleurs yo montré conseil a montré yo fort dans faire diversion les yo t'ai annoncé que installation conseil t'a pas le fait dans village d'accueil. Je t'ai annoncé que c'était 100 monde tout simplement que tu as recevoir dans l'installation, bien bonheur au télévé, au talent, dans le palais national. Faut que tu mettes accent sur ça tout. Parce que vous jouez en pile dans la question de diversion. Et vous avez un mec qui dit que c'est Madrid politique, qui est pour ça ou dans le parfois, c'est un mec qui compte cacher dans le caille, et puis pour montrer qu'il est en difficulté dans le mouvement qui est dans la rue. Faut que tu très prudent. Les ensemble réaction ça, les ensemble comportement ça, a affiché les situations des amis internautes. M'a regardé en bas, j'aime la désivène, ce côté que gagne sous compte X Radio Télé Métronome, qui mettait un texte de là. M'a regardé texte à Saldi Ladan. Compromis historique et raid. M'a qu'on écoute, bon, m'a pas mette aidé. M'a qu'on est, non, c'est son stratégie, m'a qu'on est. Ah, c'est pas oublié, ici, bah, tellement bagaille, il oblige à questionner. Compromis historique et raid. Salier, désiation, Edgar Leblanc-Fils. Comme président conseil présidentiel. District Sisayo, qui représentait dans le conseil présidentiel, voyez jeter choix Fritz Belizer, qui selon eux-mêmes, qui fait en dehors, n'a pas respecté les normes qui étaient établies par accord 3 avril 2024. Yo mandé conseil présidentiel pour rapidement prendre disposition pour lui inviter, pour demander parti qui intéressé yo pour soumettre candidati personnalité que yo compté pour ta vienne premier ministre pays. Parce que pas oublier Fritz Belizer, j'en te dis à son information que rien, c'est petit de Saline Rouskelier. Oui, c'est seulement petit de Saline. Elle dit c'est Moïse Mez fait quoi à tout le monde. Ouais, du ancien Lavalas, petit de Saline. Moi, je négocie premier ministre. Mais, vous connaissez, pardon, les négats, ouais, pendant ce temps, Maurice dit dimension. Vous connaissez, les négats, pas qu'il y a dimension en tout. Dimension, savoir intellectuel, là, en bout tout. C'est un gros problème, nié. Parce que, qui est négat la désir? Même dans ta fait négociation, premier ministre, là. Pas d'abord, j'aime quitter mon gonné, non? Mais, pas oublier tout. Ou tellement faire tout. Bon, on l'arrive, même, mettez ses cordes, yo. Parce que Moïse pas jamais voulu d'accord que Litz qui était c'était ministre dans le gouvernement Galerien. Moïse pas jamais voulu d'accord ça. Et en pile donné montre que Litz qui était c'était ministre Moïse lié. Et cool bay qui Philippe dans la mettre là. M'a pas menti, gan pile baleine qui limé dans derrière Moïse. Elle dit c'est bagage cap encore fait pour prouver que Moïse li c'est un traite. Cap encore prouver que Moïse son conseil. Ah oui. Qui donc je dis hein. C'est ça que je crois que, ensemble de les Moïse Capel du comme ça, et tel, c'est eux qui mettent un tel, et ils négocient, hein? Ils négocient si, ils négocient ça, ça montre que c'est déjà un pouvoir partage gâteau, c'est pas un pouvoir qui pourrait le mettre au service du peuple haïtien. Je que Moïse te dit, vertil est content, n'est-ce déjà prêt à jouer notre job, il finit signe entre Michel, faire voir bagaille, patati patata, je dis à papa mon job, ça veut dire, où est son partage gâteau prêt à le faire? Où est son bagaille intérêt prêt à le régler? Mais non pas bagaille pays prêt à le régler, les amis internautes. Pas bagaille pays prêt à le régler là. Qui donc, je dis encore, moi c'est que, faut que peuple haïtien, il continue à l'échelle, je crois sous ça. Et l'aime dit qu'à l'égile, c'est dit qu'il doit prendre destin en main. Il doit prendre responsabilité. Parce que, en sérieux, tout temps, c'est secteur privé, oligarque corrompu, qui va nous président, alors qui contribue à nous président,
qui investit de gros sommes l'argent dans la campagne de nèg comme candidat à la présidence et des femmes comme candidates à la présidence. C'est oligarque corrompu qui investit de l'argent, de gros sommes l'argent, dans la campagne électorale des femmes à garçons pour poste sénatorial dans le pays et à la députation. Parce que là, il y a besoin des franchises douanières. Il y a besoin que contrôle pour nous. Il y a besoin que contrôle droit nous. Parce que ça, il y a une porte d'entrée, contrebande, corruption, trafic, zam ou bien cocaïne qui a fait en un pays qui est illégal. Et imagine, il y a même pas privé. Nèg ki pou privé bon. Comment comprendre que nèg ki pou privé l'état pa gen droit nan pou ville. L'état pa même gen droit à travers agent douanier ou non pour ta même inspecter, voyager, garder un ensemble de conteneurs qui a débarqué un ensemble de marchandises en dans pays. L'état pa gen accès à avec agent douanier ou avec agent BLTS yo. Mon mes amis en sérieux. Kounya dim qui ça nous voulait? Qui ça nous pensait? Est-ce que nous allons continuer à croiser bras nous? Est-ce que nous allons continuer à regarder, observer genre de situation ça yo? Faut nous regarder la clé Jean Lien. Et je dis à moi que c'est même moun ça yo. C'est même moun ça yo il est. Et tel l'alta bien passé, et tel pas là c'est le groupe là qui vini, kou la k'a bien passé. Et tout ça qui a bien passé, yo, yo yon pas même pensé avec misé pep haïtien. Yo yon pas même pensé jodi an la, avec les gars qui ont capturé moun, qui ont kidnappé moun. Par contre, si tu te dis ça, des gens qui passent kafou fey, ou te dis ça, ou quoi ça? Demoiselle, les gars qui ont kafou fey là. Parce que les gars qui ont besoin de coucher, ils disent les gars pas d'accord. Et bien, les gars qui ont alors, que, m'pense que même moun sa que m'a gardé là, soit n'y a les acteurs politiques, soit n'y a les oligarques corrompus, yo ke fami tout, yo ke petit, yo ke soeur, yo ke mbakone, yo ke madame. Donc, laisse ça passer en bas, yo. Et c'est sous complicité, yo. Parce que, moi, j'ai dit sous complicité, yo. Sous commande, yo. Sous l'obédience, yo. Parce que c'est yo qui fait zam entre en dans pays. Et c'est classe politique là qui mène zam yo al pote en dans ghetto. Donc, je dis, hein, bon, c'est que, moment arrivé pour que y ait de décision qui vous prend. Et décision ça yo qui pour prendre nous deux capables comprendre que yo deux prendre dimension pour accepter yo accepter parce que là n'est pas d'accord genre de réalité ça yo et genre de problème ça dans pays nous pas d'accord ça non nous pas d'accord ça et n'obligé dire une parole n'obligé dire un mot dans genre de problème ça yo et peuple haïtien ou qui obligation pour lever camper. Ou qui obligation pour prendre destin en main, ça me clé sur l'idée de Zivenes. Très bien. Je veux dire, pour quelle que soit la raison, conseil à Pape Jean Carrivé Ini, on est pour Moïse Jean-Charles, très orgueilleux, qui pague pardon la Kaïli. Est-ce que Moïse Jean-Charles peut arriver à comprendre, les ensemble, l'autre membre du conseil, déclaré que vous devez respecter l'accord politique 3 avril là, pour pas Kembe et Fritz Belizer comme premier ministre de la situation. Ça a suscité d'autres réactions, parce que ce sont actions quand même. Ils ont attaqué, après avoir contre-attaque, qui pourrait rendre une situation beaucoup plus compliquée. Et Pepa, il ne sait pas qu'attendre encore. C'est ça, ensemble, acteurs, ils arrivent à comprendre que bagarre est difficile. Ils n'ont pas qu'à venir en tête sous lui, mais en fait, temps passé quand même. Exact. Mettez-vous d'accord pour faire temps passé, parce que tout le temps a passé, vous avez intérêt dans le temps qui a passé. Vous avez tiré profit dans le temps qui a fait passer. Et malheureusement, ensemble des organisations, ensemble des leaders des partis qui comptent le conseil présidentiel, vous n'avez pas jamais dégagé une majorité pour entendre, pour qu'on tête ensemble, pour faire ta force à l'encontre des conseils, pour au moins. Pour qu'on fasse valoir, pour qu'on fasse au moins idéologie, pour qu'on fasse au moins. Position que vous gagnez, c'est lui-même qui fait respecter. Parce que vous estimez que c'est lui-même qui est bon pour le pays. Quel des mondes qui sont dans Guy Philippe? Quel des mondes qui sont dans le cours de cassation? Mais qui ça nous fait? Pour au moins, pour permettre que le conseil présidentiel l'attende la raison. Pour vous suspendre dans la délanté que vous avez, malgré que vous n'avez pas de masse. Si vous n'avez pas entendu, pour vous faire ça, il y a une façon. Que vous cherchez pour vous faire entendre faire ça.
et gen épée Damoclès qui pendie sous tête pays a ça qui a passé là yo vis-à-vis avec gang le pas rien. Blaise Peterson pas connait sous tendez information ça président Colombia déclaré gagner yon quantité missile une quantité grenade une quantité armes de guerre de l'armée colombienne qui rivait perdu et on vraiment douté vit avec soupçon qui était gagné sous des colombiens qui étaient participé dans l'assassinat président républicain Jovenel Moïse que zam sa yo missile sa yo